Salutations à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va écouter un son qui s'appelle Wave. C'est un gars qui s'appelle Small God featuring Malik Berry et Didi B. Et voilà, le titre s'appelle Wave. La production Nana Apiacel, Uzeze Onico, Okimut Onico. Il y a du monde, il y a du monde. Et du coup, alors qui est-il? Small God, c'est un gars qui a fait beaucoup pour la musique africaine. Il vient du Ghana, ce gars-là. Et c'est lui qui a un peu ramené un peu cette touche de cette nouvelle musique africaine dans le game. Et voilà, j'ai vu qu'il était là depuis longtemps dans ce game-là. Du coup, lui, il a sorti son projet aujourd'hui. Et il a beaucoup d'invités dessus. Il y a énormément d'invités. Ça s'appelle Bridging the Cap. Et voilà, c'est sorti aujourd'hui, le 1er mars. Et il y a tellement d'invités, je crois qu'il n'y a même pas une seule track où il est en solo dessus. C'est ouf, c'est ouf. Et ça me donne envie de voir un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir comme style, comme délire un peu dedans. Comment il a tourné cet album, donc intéressant. Du coup, on a un autre gars qui s'appelle Malik Berry. On l'a sûrement déjà écouté. En tout cas, vous l'avez sûrement déjà écouté. Si vous aimez un peu tout ce qui est musique Nigeria, etc. Tout ce qui est en provenance de là-bas. C'est un gars qui est né en Angleterre. Et en fait, je sais pas exactement. Je sais qu'il est né en Angleterre. Mais voilà, il est affilié directement avec le Nigeria. Je sais pas s'il a les parents qui sont de là-bas, etc. Mais en tout cas, voilà, il est affilié entre l'Angleterre et le Nigeria. Et du coup, lui, il est dans le game depuis. V'là le temps, il a travaillé avec du beau monde. J'ai pu voir un peu sur sa page Wikipédia. J'ai vu, il y avait pas mal de monde. Hein. Wizkid, Davido, Wale, Fuse ODG, Runtown, Iyanya. Franchement, il est là depuis longtemps. Depuis 2013, il est dans ce game-là. En train de faire des feats à droite, à gauche, Wizkid en a fait des tonnes, tout ça. Donc ce gars-là, il est là depuis longtemps et j'ai vu, je suis déjà tombé sur un de ses sons ou quelqu'un de ses sons. Et il a beaucoup de vues, il a vraiment une grosse cote ce gars-là. Donc allez checker ses sons si vous n'avez pas déjà écouté ce gars-là. Il s'appelle Malik Berry. Et voilà, et évidemment, on a Didi B. Évidemment, on ne présente plus sur cette chaîne. Et voilà, monsieur Mojo en feat avec le Ghana et un Britannique en provenance du Nigeria. Et on va checker, ça s'appelle Wave Small God. Extrait du projet Bridging the Cap. Allez checker le projet. Je vais l'écouter aussi. Je vais prendre le temps d'aller checker un peu pour voir ce qu'il y a dedans. Et on va écouter ce son. Voilà, il n'y a pas de clip. Il y a un audio. Et je savais, il y avait une pub que Didier avait partagée sur ses réseaux. Et d'où on savait qu'il y avait ce feat dedans. Donc, grosse force à Sildash. Il m'a fait un petit rappel. Et donc, j'ai pas zappé grâce à lui. Donc, let's go. Small God. Alors, comment ça va partir? On dirait qu'on part sur de l'afrobeat. Déjà, la vibe est hyper intéressante. Tu sens tout de suite le style du côté musique africaine, tu sais, le côté un peu ghanéen, nigérien, etc. Déjà, tu sens ce délire-là, tu vois. Si on kiffe ce style, je pense qu'on peut se régaler. Oh, j'adore quand il y a des modifications sur la prod là comme ça. Franchement, le délire est trop bon. Il est trop bon. Tu t'ambiances facilement sur ce genre de son. En fait, ils ont cette aisance en fait à te faire partager leur vision artistique facilement en fait. Le mixage est bon, la voix comment elle est maîtrisée. Ah,
Ah, il arrive, il arrive. Franchement, là. Oh. Et méchant. Eh franchement, c'est une dinguerie hein. Il s'est grave adapté au style en fait. Oh là là gars. En fait il s'est grave adapté au style du son, au thème, au genre, au mood. Et c'est grave étonnant de le voir un peu comme ça, tu vois. Ah ouais, franchement. Franchement, dingue. Franchement, belle connexion. Hein. Franchement, très très belle connexion. Et lourd. Hein. Franchement, je suis content de voir la presta de Didi dessus. Il y a un. Franchement, je trouve qu'il s'est vraiment adapté. Pour moi, le mot, c'est l'adaptation. Il s'est grave adapté au style, à l'ambiance, tu vois, ce côté un peu de musique, tu vois, le côté Ghana, Nigeria, etc. Tu vois, ce genre de style-là. Et il s'est grave adapté. Il a réussi de reprendre un peu la gimmick du flow, etc. Et ça passe bien, ça passe super bien, franchement, hein, international, hein. Mojo International, et franchement ça passe super bien, franchement je me suis régalé, le son il passe super bien, la prod elle est efficace, ils savent faire, tu connais, ils ont la recette qui fonctionne bien, ça tu pourras pas le nier, et ça fonctionne super bien, et Didi a rajouté sa touche, il a rajouté voilà, une valeur ajoutée au son. Et je trouve que ça passe très bien. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi, je trouve que voilà. Le mot pour moi, c'est l'adaptation de Didi sur ce style. Il s'est adapté. Il a trouvé. On a trouvé sa forme dans ce truc-là, ça pouvait ne pas être évident aussi, hein, tu vois. Ça pouvait pas être évident et finalement, il a réussi à gérer le truc, tu vois. Donc franchement, chapeau bas. Et on a quand même un son qui est vraiment quali, le mixage, la voix qui est maîtrisée, le style, le délire dans l'Afrique francophone. Mais en tout cas, ça passe super bien, c'est maîtrisé et ça fait un très beau son. J'espère que ce sera clippé. Je sais pas s'il y aura l'occasion, mais en tout cas, ça mérite d'être clippé. Hein. Le son est bon, il passe bien. Les good vibes que t'entends dessus, franchement, elles sont hyper bonnes. Et voilà, c'est Small God. C'était Wave en featuring avec Malik Berry et Didi B. Méchant, méchant, méchant. Bridging the Cap, c'est l'album. Allez le streamer. Allez voir un peu ce que donne ce projet. Je sais pas pourquoi il y a mesdames à côté là. Et voilà, méchant, méchant, franchement, lourd. Moi, j'ai apprécié. Je trouvais le délire vraiment très sympa. Et qu'est-ce que tu veux que je te dise de plus? Franchement, c'était impeccable. C'était impeccable. Franchement, si vous aimez le style un peu en provenance du Nigeria, le Ghana, etc., forcément, vous allez kiffer la vibe, le délire. C'est souvent un peu la même recette, un peu modifiée de temps en temps, avec des rajouts, tenter des nouvelles choses, etc. Et je trouve que Didi passe super bien. Ça ramène un côté. Ça ramène une fraîcheur en vrai. Ça ramène une fraîcheur. Et voilà, clean. Donc voilà, on se quitte dessus. Je vous dis à la prochaine. Et ciao ciao.